Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, aux petites heures du matin, en ce 26 juillet 2023, 1h57, heure du Québec. Ça arrive des fois l'été, hein, on change un peu notre façon de passer la soirée, de vivre, parce que c'est l'été, on va en profiter. Il fait beau, et c'est extraordinaire qu'il fasse beau. On a un bel été jusqu'à présent, on est chanceux, on est dans le maximum solaire du 25e cycle solaire. Les premières années d'un cycle de 11 ans sont toujours assez actives et t'amènent souvent les périodes les plus chaudes du cycle de 11 ans. Et lorsqu'on s'en va vers les 5e, 6e années jusqu'à la 11e, là tu t'en vas dans une période plus faible. Et c'est le genre de minimum solaire du cycle. Et souvent, tu peux avoir même un cycle qui va être totalement faible, ou aussi tu pourrais en avoir un qui pourrait être totalement puissant et fort. Donc, tout est cyclique. Ça, c'est sans compter l'inclinaison de la Terre, c'est sans compter toutes sortes d'autres facteurs qui sont très importants à prendre en compte dans les changements climatiques qui sont cycliques pour la plupart du temps. Il n'y a rien de prouvé encore. Et on a parti cette idée du CO2 comme étant responsable, mais on a créé un marché du carbone avec ça. Des politiciens comme Al Gore ont été à l'origine de ça pour faire de l'argent. Une espèce de taxe qui te permet de polluer. C'est comme du non-sens total, mais avec l'élite, il faut que tu t'attendes à du non-sens toujours. Donc, merci d'être avec moi sur YouTube, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Et ceux qui m'envoient des messages, vraiment, c'est très apprécié. On a vu ces derniers temps l'hystérie collective des médias qui veut absolument mettre dans la tête des gens en leur faisant part, mais on parle de l'hémisphère nord parce que dans l'hémisphère sud, ils sont habitués à avoir chaud. Il fait chaud depuis des milliers d'années. Et c'est assez difficile de leur faire avaler la couleuvre que, oh mon Dieu, faites attention, vous, la température pourrait augmenter de 1,5 degré d'ici 200 ans. Je pense pas que ça change grand-chose dans leur vie. D'ailleurs, depuis les dernières 20 années, il y a peut-être eu une augmentation de la température de 1,5 degré. Et tout cet alarmisme, ben c'était pour vendre un nouveau modèle économique. Puis moi, je dis... Tu peux rien y faire. Pardon, les voitures électriques vont prendre la place éventuellement, mais qui va pouvoir se les payer? Donc, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont être laissés pour compte dans nos sociétés de l'hémisphère nord. Qui avait une voiture maintenant, ou même deux voitures, tu ne pourras plus te permettre ça avec le nouveau modèle économique. Tu vas être obligé de soit rester chez vous, soit faire du vélo, ou prendre des transports en commun. Et c'est ça le but. C'est de t'enlever ton mode de vie. On démonise maintenant la climatisation. Hein? En Europe, on a déjà commencé à légiférer là-dessus. Aux États-Unis aussi, on veut vous rendre tellement inconfortable que pour que vous compreniez qu'il y a vraiment un problème de température. C'est l'été et il fait beau, puis il y a toujours eu des canicules, puis il y en aura toujours. Par contre, ce que j'ai à vous partager est très important. Ça s'est passé il y a quelques jours en Europe où on vous a dit que c'était les températures les plus chaudes jamais enregistrées de l'histoire. C'est vrai qu'il faisait chaud, mais c'est l'été. À tous les étés, tu as des canicules, depuis toujours. La seule chose, c'est qu'on a omis de vous dire qu'on avait pris les températures du sol. Est-ce qu'on le fait de façon délibérée? D'omettre de vous dire qu'on a pris les températures du sol. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu es allé à la plage comme tout le monde un jour dans ta vie, ou même si tu as une cour arrière où tu vas prendre du soleil ou te baigner, comme moi j'en ai une. Il fait 31-32 degrés, on t'annonce, hein, il fait 31-32 degrés, c'est une belle journée ensoleillée. Tu es autour de ta piscine ou tu es sur la plage, tu te fais bronzer, là tu décides d'aller te baigner. Puis là, tu te lèves de ta serviette ou de ta chaise, puis tu mets le pied sur le sable. C'est brûlant. Brûlant, brûlant. Il fait 31 degrés dans ton air ambiant, dans l'air à 2 mètres au-dessus du sol, mais le sol, lui, est brûlant. Il n'est pas à 31 degrés.
Il est à 47-48 degrés. Même chose autour de ta piscine, tu es allongé dans ta chaise, tu décides d'aller te lancer dans l'eau. Quand tu te lèves de ta chaise puis tu mets le pied soit sur le ciment, soit sur le bois, tu te brûles littéralement le dessous des pieds parce que c'est une belle journée à 32 degrés, mais quand tu mets le pied par terre, c'est insoutenable. Tu te brûles parce que c'est à 44, 45, 46, 47, 48 degrés. La température du sol n'est pas la même que la température que tu sens à 2 mètres au-dessus du sol. Et quand on a pris les températures il y a quelques jours, quand il y a eu cette hystérie en Europe, entre autres, c'est un journal allemand qui a lancé, hein, cette hystérie-là en disant, il fait 44, 45, 48 degrés, la Grèce va devenir la nouvelle porte du désert. On va être le deuxième Sahara. Il fait 48, 47 degrés. Eh bien, on avait pris les températures du sol. Quand ta Miss Météo à la télé te donne son bulletin de météo, elle t'annonce qu'il va faire 25 degrés ou qu'il va faire 30 degrés. Ça, c'est la température qui a toujours été prise à 2 mètres au-dessus du sol. Et là, on a fait le contraire, on a pris la température, puis on a donné la température du sol, et là, on est parti dans une hystérie totale, alors que les vraies températures étaient de 31, 32, 30 degrés. Et ça, c'est M. Robin Monotti qui nous raconte ça sur son fil Twitter, et c'est très important. Et voici l'histoire. L'hystérie a commencé lorsque des médias sensationnalistes sur le climat en Allemagne et ailleurs, comme le Rheinische Spiegel, ont cité sans critique un rapport du 13 juillet formulé de manière négligente et manipulatrice par l'Agence spatiale européenne ESA, qu'il faisait d'abord référence à la température de l'air, les températures grisées à travers l'Europe cette semaine au milieu d'une période de chaleur intense et prolongée. Et ça ne fait que commencer. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Pologne sont toutes confrontées à une vague de chaleur majeure avec des températures de l'air qui devraient grimper à 48 degrés Celsius sur les îles de Sicile et de Sardaigne, potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe. Le rapport original de l'ESA a continué, précisant seulement plus tard, imaginez-vous, qu'il s'agissait en fait de la température de surface. L'animation ci-dessous utilise les données de l'instrument radiomètre de la mission Copernicus Sentinel 3 et montre la température de surface terrestre à travers l'Italie entre le 9 et le 10 juillet, comme l'image clairement montre que dans certaines villes, la surface du sol dépassait 45 degrés, notamment à Rome, Naples, Tarente et Foggia. Le long des pentes orientales de l'Etna en Sicile, de nombreuses températures ont été enregistrées à plus de 50 degrés Celsius. Il ne s'agissait pas ici des températures standards enregistrées à 2 mètres au-dessus du sol que nous avons toujours utilisées dans les bulletins météorologiques quotidiens, qui sont beaucoup plus fraîches, mais plutôt celles juste à la surface du sol, mesdames et messieurs. Cette différence cruciale est passée totalement inaperçue par les médias et les journalistes, qui ont rapporté de nouveaux records de température. Au moment où le stratagème a été exposé par des lecteurs attentifs, la nouvelle avait déjà fait le tour du monde. Hier, l'ESA a publié une vague clarification expliquant la différence entre la température de la surface et celle de l'air à 2 mètres au-dessus du sol, mais a continué à induire en erreur. La température de la surface terrestre et la chaleur ressentie par la surface de la Terre au toucher, la température de l'air donnée dans nos prévisions météorologiques quotidiennes est une mesure de la chaleur de l'air au-dessus du sol. L'ESA n'a pas pris la peine de mentionner que la température de surface est beaucoup plus élevée que la température de l'air à 2 mètres du sol. La température de la surface terrestre est la chaleur ressentie par la surface de la Terre au toucher. La température de l'air indiquée dans nos prévisions météorologiques quotidiennes est une mesure de la chaleur de l'air au-dessus du sol. L'ESA n'a pas pris la peine de mentionner que la température de surface est beaucoup plus élevée que la température à 2 mètres. La température de surface terrestre est beaucoup plus chaude. Puis vous le savez, vous le voyez vous-même, tu peux faire le test.
On dit qu'il fait 45 degrés, mais c'est complètement frauduleux. Est-ce qu'on le fait intentionnellement ou pas? Je ne sais pas. Mais tu le sais, toi, tu es allongé sur ta chaise ou sur ta serviette, puis tu te sens bien, il fait chaud, mais tu es bien. Tu mets le pied par terre, ben, tu vois la différence. Tu sautes par la surprise de la chaleur. Donc, chers amis, j'ai plein d'autres informations à vous transmettre concernant cette hystérie et cet agenda. Faut pas nier que l'industrialisation a un impact majeur sur la biosphère, un impact majeur sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la terre. Mais pour le reste, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que, et quand tu regardes des histoires comme celle-là, tu peux pas te fier à ces agences comme Copernicus et même l'ESA, parce qu'on est en train d'induire les gens en erreur. Donc, chers amis, c'est l'été, profitez-en, il fait beau. Puis s'il fait pas beau l'été, c'est pas au mois de janvier qu'il va faire beau, là. Tout le monde veut un été agréable, tout le monde veut un été chaud. Puis quand on dit que c'est les périodes, les températures les plus chaudes, hein, tu t'en vas sur Wikipédia avec l'événement El Niño, parce que vous savez, en plus de tout ce qui se passe avec les cycles naturels, avec les. Puis on dit que, bon, il y a des endroits qui sont en train de fondre dans le Groenland et tout ça, mais c'est sûr, après une minière de glace, c'est toujours ça qui se passe. Après ça, tu reviens à l'ère de glace. On t'avait dit que la glace dans l'Arctique disparaîtrait d'ici 2015. Il y a encore plein de glace dans l'Arctique. Il y a même eu une augmentation de la surface de glace l'été dans l'Arctique. Et en ce moment, en Antarctique, il fait encore moins 65 au moment où on se parle. Wikipédia. El Niño de 97-98 a été considéré comme l'un des événements les plus puissants de l'histoire enregistrée, entraînant des sécheresses généralisées, des inondations et d'autres catastrophes naturelles à travers le monde. Il a causé la mort d'environ 16 personnes, 16% des systèmes récifaux du monde et a temporairement réchauffé la température de l'air de 1,5 degrés par rapport à l'augmentation habituelle de 0,25 degrés qui est associée aux événements El Niño. Les coûts de l'événement étaient considérablement élevés, entraînant des pertes économiques, blablabla, blablabla. Elle a provoqué une grave épidémie de fièvre de la vallée du Rift après des précipitations extrêmes dans le nord du Kenya, et ainsi de suite, et plein d'autres. En 97, des sondes recueillant des informations sur les températures des eaux profondes ont découvert une zone d'eau exceptionnellement chaude, centrée autour de 150 mètres de profondeur à travers la moitié ouest de l'océan Pacifique. Donc, on a eu les températures les plus élevées en 98. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les rapports de l'ONU et de toutes ces agences qui sont très louches veulent éliminer cette année-là. Ils veulent partir à partir de 99 parce que 98 a été l'année la plus chaude. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Et pour ce qui est du reste, je vais vous revenir avec d'autres informations que j'ai été capable de découvrir avec toutes les files de presse et les gens que je suis, qui sont assez aussi choquantes et renversantes. Faut pas nier ce qu'il y a une influence énorme de l'activité humaine moderne avec la consommation. Mais pour le reste, il faut faire très attention parce que c'est trop politisé, puis il y a un agenda qu'on veut passer là-dedans. Et comment tu peux le passer, c'est en faisant peur aux gens. Et les médias sont les spécialistes dans les histoires de peur. Et ils sont les spécialistes pour apeurer la population. Donc, soyez prudents. Prenez-toi avec un grain de sel parce que ce qui vient de ton gouvernement, ce qui vient des agences gouvernementales, ce qui vient des agences supposément non gouvernementales, hein, internationales comme l'ONU, tout ça, c'est tout contrôlé par l'élite mondiale qui te donne des leçons de moralité, qui veut te voir vivre dans une caverne avec plus d'électricité, plus de voitures, puis des insectes à manger pendant que ce monde-là va se gaver de homards, va se gaver de caviar, va se saouler au champagne, va se promener en jet privé, en bateau,
Puis il va vivre dans des châteaux un peu partout à travers le monde pendant que toi, tu seras dans ta caverne à ronger tes cuisses de criquet. Donc, soyons très, très éveillés. Questionnons tout ce qui vient de nos gouvernements, parce que tout ce qui vient de nos gouvernements jusqu'à présent, je peux te dire une chose, c'est vraiment, vraiment louche. C'est le moins qu'on puisse dire.